Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Depuis décembre, il y a une nouvelle maladie qui est sortie, donc nous ne maîtrisons pas tous les contours de contamination et qui a embrasé le monde entier. Et notre pauvre Afrique aussi a été visitée par ce monnaie visite. Nous, pour nos organisations des professionnels de la santé, organisées en syndicat, nous sommes dit, étant le rempart, nous devons encourager nos camarades à aller au fond. Parce que si nous nous reculons, nous aurions exposé toute l'humanité et tout le peuple au danger. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet de solidarité personnelle soignante du Togo. Et c'est des bonnes volontés issues de la population, des directeurs de société, des parrains togolais qui résident dans la diaspora, qui ont entendu notre cri et qui a fait des gestes qui l'ont cotisé un peu, soit en argent ou en nature. Et nous avons pensé à vous ici, à Sib, représentant la préfecture de Bifenbo. Donc nous avons 1000 masques pour vous, 1000 masques chirurgicaux, et également 200 masques artisanaux que vous allez donner aux patients qui vont arriver et qui n'ont pas de masque. Donc vous les donnez une porte avant que vous puissiez les examiner. Parce que pour nous, au niveau du syndicat, nous avons cette responsabilité-là de protéger. Et donc aucun agent de santé ne devait prendre un risque en examinant la maladie. C'est pour ça que nous avons pensé à ça, c'est symbolique. Nous avons trouvé 15 litres de gel hydroalcoolique. Ça va faire beaucoup quand même. C'est bien. Mais nous avons aussi une innovation dans la santé
si nous n'étions pas avec cette solution désinfectante qui va être utilisée pour désinfecter les brassards. Parce que le plus souvent, les brassards, on les utilise de patient en patient. Donc, vous risquez, vous allez transmettre tout de suite les germes d'un patient à un autre. Après l'avoir utilisé, vous mettez la solution dans ce pulvérisateur. Oui, non, ne regardez pas les pastilles, mais le pulvérisateur. Ça, on l'a utilisé juste pour simplement. Vous mettez la solution ici, et vous pouvez le brassard, le tensiomètre, les autres objets que vous pouvez utiliser, même la matelas. Vous pouvez utiliser le matelas. Maintenant, pour vous personnel, les chaussures, ce sont les chaussures que vous avez amené à la maison, que vous devez retrouver. Donc, avec cette solution, vous pouvez désinfecter la chaussure de talons pour ne pas faire ramener les germes à la maison et contaminer votre famille. Les portées de votre voiture, les poignées, des portes, etc. Donc, ça ne se fait pas dans le pays. C'est une innovation et ça nous rappelle nos cours de prévention de l'infection. Des principes de prévention de l'infection qui doit continuer même après Covid. Donc, la solution, elle coûte 45 000 francs le litre. Dans le bidon plutôt. Ça fait 45 000 francs et ce n'est pas du lait. Ça va être utilisé comme tel. Maintenant, à côté de cela, nous avons mis des pastilles de chlore. Ça fait 20 comprimés équivalent de 100 litres d'eau de Javel. Donc, un comprimé sera mis dans ce bidon, vite qu'on vous donne, jusqu'à 5 bouteilles, ça fait 5 litres. Et ça vous fait 5 litres d'eau de Javel. Donc, par 20, ça vous fait 100 litres d'eau de Javel. Ça aussi, c'est un pulvérisateur que vous pouvez utiliser la même la solution là, pour désinfecter les salles. Qui aurait servi de recevoir un patient suspect du coronavirus. Je pense que vous avez 20 pains de savon pour laver, 120 pains de savon pour laver les mains, mais également ça peut servir aussi à donner aux patients qui arrivent tout à la maternité et qui sont devenus, qui n'ont pas de moyens, qui peuvent utiliser ce pain de savon là, plus des dispositifs de la main. J'ai jeté un coup de la main là-bas, il y a eu de l'ingéniosité humaine, et ça aussi pourra aider. Alors ça pourra vous passer ce coup de la main là. C'est un sentiment de joie, de joie vraiment difficile à exprimer parce que c'est comme pour une surprise que Saint-Fort ait pu penser à nous assis ici dans le district de Malibu. Loin de tout, mais depuis là vous avez pensé que nous sommes dans le besoin et vous avez fait ce geste-là de nous envoyer tout ceci qui on ne peut l'estimer parce qu'il y a des choses que nous assis ici, c'est la première fois qu'on voit ça et qu'on a trouvé vraiment indispensable dans cette lutte contre le coronavirus. Donc c'est un sentiment de satisfaction et il n'y a que le merci qui nous vient à la bouche à votre endroit. Comment allez-vous utiliser ce temps? Bien, ça je vous le promets, ce matériel sera utilisé à bon escient, il ira à qui de droit et on fera un très bon usage de tout ce que vous nous avez donné pour que ça puisse durer dans le temps. Le système de lave-main, on les utilisera comme il faut.
on ne les exposera pas à tout danger, mais on les traitera comme quelque chose de précieux pour nous offrir, on espère ça durera dans le temps. Voilà, programme de gouvernement. Très ravi, parce que c'est la première fois qu'on reçoit un cadeau comme ça. Et avec l'efficacité de notre assistant médical, on vous promet que ça va nous apporter un plus. Et on va prier pour que Dieu nous ouvre la porte pour les bailleurs, pour que demain on gagne plus. Et on va vous souhaiter un bon retour à Lomé. Et ce matériel, pensez-vous que ça ira réellement à qui de droit? Oui, ça ira à qui de droit. On n'a jamais manqué d'informations quand il s'agit de notre Aïssa et de notre sœur. Donc ils sont très ouverts. Je vous rassure que tout ira à qui de droit. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.